s'il vous plaît, bipez-moi les Ivoiriens et les Congolais. Bipez-moi les Ivoiriens et les Congolais. Faut me biper les Ivoiriens et les Congolais. Il faut dire aux Ivoiriens et aux Congolais qu'on n'est pas leurs camarades. Parce qu'en temps, là, ils mettent trop la bouche sur nous. Vous avez vu le match là? Vous avez vu le match? Est-ce que vous avez vu le match là? Le match qui vient de passer, vous avez vu? Vous avez mis vos yeux dessus? Vous avez vu ce qu'on appelle le match? Est-ce que vous avez vu ce qu'on appelle le match? J'ai failli! Oh my goodness! Bipez-moi les Ivoiriens et les Congolais, s'il vous plaît! Les autres nationalités ne veulent même pas parler avec eux parce qu'il n'y a même pas lieu. Bipez-moi les Ivoiriens et les Congolais. Les Ivoiriens et les Congolais, venez prendre place ici. Prenez place. Mon Dieu, j'ai failli avoir un orgasme là tout à l'heure. Face au match Cameroun-Éthiopie. J'ai dit le match Cameroun-Éthiopie, j'ai failli avoir un orgasme. C'était trop puissant. Je vous parle de quelque chose. Les Ivoiriens, vous avez vu ce qu'on appelle un match? Est-ce que vous avez vu ce qu'on appelle un match? Parce que vous aimez souvent vous comparer au Cameroun. Quand on parle de football, il n'y a pas notre... Après l'Éthiopie, il n'y a pas notre deux en Afrique. Quand on parle du football, vous devez nous respecter, les Congolais. Quand vous dansez, nous, on ne parle pas. Quand vous dansez, on ne parle pas. Quand vous tournez les reins, on ne parle pas. Les Ivoiriens, quand vous faites le roucasse-casse, on ne parle pas. Mais en matière de football, quand le Camerounais parle, c'est le lion indomptable, le roi de la forêt, c'est-à-dire que nous donnons le ton. C'est-à-dire que nous donnons le ton, vous devez nous respecter. Parce que quand je vois souvent les Ivoiriens et les Congolais se gesticuler face aux Camerounais, je me dis, mais attendez, le Congo, pourquoi ils ne sont pas en Coupe d'Afrique d'abord, même les Congolais, ils sont où? Les Congolais sont où? Nalomi, hein? Nzambe nangaye. La coupe, la canne-ci, elle est sucrée. Maman nangaye. La canne-ci est sucrée. Où sont les Ivoiriens qui aiment sortir de la bouche? Yeni, faut pas vous allez mettre vos bouches sur nous. Est-ce que vous avez vu ce qu'on appelle match? J'ai dit, j'ai failli avoir un orgasme. J'étais assis comme ça et puis j'ai croisé mes jambes comme ça. J'ai failli jouir. C'était trop pour moi. L'émotion était trop. Attendez que je veux te reposer, tu vois, oh, il y a un but qui est rentré. Tu veux te reposer, tu dis, oh, hey, Aboubaka Vincent, hey, Nzambé, hey, Nzambé, Aboubaka Vincent. Le gars, même sans me regarder, il m'a fait orgasmer. Ça, c'est pas possible, ça. Ça, c'est du jamais vu. Les Ivoiriens, quand on parle de football, nous sommes votre maître. Nous sommes les maîtres, vous avez vu? 4-1. 4-1. Vous allez jouer contre la Tanzanie, vous ne pouvez même pas marquer. Et vous allez dire quoi? Les éléphants, il faut nous respecter. Hein? Respectez-nous. Le Cameroun, c'est my God. Il faut respecter les Camerounais. Parce que vous êtes forts. Wow. Les Congolais, les Ivoiriens. Ah! Adama! On peut jouer un match comme ça, là. On peut jouer un match comme ça, là. Faut que... On doit... Cameroun, Côte d'Ivoire, si on vous rencontre, on va vous mougou. On va vous m'aplomb, hein. Il faut même pas qu'on rencontre les Ivoiriens. On va vous mougou. On va vous faire ça, non. Vous allez pleurer. Les Ivoiriens, là, ils sont où? Où sont les... Bipez-moi les Ivoiriens. Ils ont vu le match d'aujourd'hui. Est-ce qu'ils ont vu comment on caresse, comment on pine une fille? Les Camerounais ont piné les Éthiopiens. Mal mauvais. Ils ont mal mougou les Éthiopiens. Ça, il me faut un wadjo ce soir. Maintenant, là, je ne suis même plus les bamiles que les écans qui me fatiguent tous les jours. Ils ne m'appellent plus. Maintenant, j'aime les wadjo. J'ai dit les bamiles que les écans qui me fatiguent tous les jours. Ils ne m'appellent plus. Maintenant, j'aime les wadjo. Pause publicitaire. Pour avoir un teint éclatant, foudroyant, lumineux, sans décapage, sans produit gagnant, sans imperfection, c'est Camoise Beauty qui fait le son. Ça, c'est la gamme pourtant caramel. Ça, c'est la gamme pourtant noir. Vous voyez, sans filtre. Je ne filtre pas mon corps. Je ne filtre rien sur moi. Hein? C'est Camoise Beauty, ça te nettoie, ça t'arrange. Ça te donne de l'éclat. Sans toutefois te décaper.
J'ai dit, bipez-moi les Ivoiriens. Parce que les Ivoiriens ont trop la bouche sur nous. Ils ont la bouche sur nous. Hein? On va vous mougou. Eh! On va mougou votre tassaba là. Vous allez voir ça. Les Congolais ne doivent même pas parler. Les Congolais, ils n'ont même pas d'équipe. Les Congolais n'ont pas d'équipe. Les Congolais ne doivent pas parler. Que ce soit Brazza ou Kinshasa. Bon, Kinshasa, mais les Brazzavillois ne doivent pas parler. Ils ne peuvent même pas parler. Où le lion indomptable parle là. Pour l'instant là, non. C'est nous qui donnons la direction. Hé, hey, où sont les Gabonais? Les Gabonais, ils sont où? Où sont les Gabonais? Ils sont pas là? Ils ont disparu. Ah, les Gabonais, ils ont disparu? Moi, Joyce, laisse-moi, je suis polygame. Je suis polygame. Je suis musulman. Musulmane, chez les musulmans, je suis polygame. Donc, Joyce, laisse comme ça. Laisse comme ça. Les Ivoiriens, là, on vous attend. Il faut qu'on rencontre les Ivoiriens. On doit les mougou. Il faut qu'on rencontre les Ivoiriens. Comme s'ils vont fermer la bouche sur nous. Ils aiment trop mettre la bouche sur nous. Vous avez vu le match là, non? Vous avez vu, non? Vous avez vu comment on mougou la gueule, non? Eh, c'était mal doux. J'ai dit, c'était plus doux que Placali et puis Garba là. C'était mal doux. Mais on n'est pas allé dormir. Parce que les gars m'ont fait transpirer. Les gars m'ont fait orgasmer. Les gars m'ont fait jouir tout à l'heure là, face au match là. Non, là je suis gâtée. Je suis plus que gâtée. Maintenant, m'en vais dormir. Ciao, ciao. Les filles qui ont la gale au corps. Les filles qui ont le kouachoko en fesses. Achetez Camoise Beauty. Si tu as ton gars, ça fait 6 mois, il ne te touche plus, ne bande plus. Achète Camoise Beauty. Camoise Beauty va réveiller les nerfs qui sont endormis en lui. Je te parle de quelque chose. Quand tu vas te oindre avec Camoise Beauty et qu'il va humer cette odeur, ça va réveiller les veines qui étaient endormies. Les cellules qui dorment en bas de ces testicules-là, ça va se réveiller. Je te parle de quelque chose. Et puis qu'il va te mougou, comme les Camerounais mougou les Éthiopiens aujourd'hui là. Toi, tu vas sentir ça jusqu'à ta nuque. Je te parle de quelque chose. Camoise Beauty, il y a l'onction dedans. Il y a l'onction dedans. Quand tu marches dans la vallée de la mort, si tu te ouins avec Camoise Beauty, tu ne crains aucun mal. Parce que Camoise Beauty, non, c'est le secret de la beauté au féminin et au masculin. C'est le secret de la beauté au féminin et au masculin. Si tu doutes, il faut venir acheter. Tu consommes et puis tu viens me dire. Celles qui ont les boutons versés sur le visage comme la pluie du dimanche. Camoise Beauty, la gamme Acne est là pour vous. Celles qui ont les taches sur le visage. Là. Camoise Beauty, la gamme Acne est là pour vous. Pour vous enlever, vous nettoyer, vous purifier de vos imperfections. Je m'en vais dormir. Ce soir, non, je suis satisfaite.